signifie Bordbia? Alors Bordbia signifie bureau de l'alimentation, donc en gaélique, la langue originelle de l'Irlande. Je suis le spécialiste du marché sur la viande et les produits de la mer. Alors viande et produits de la mer, hein, on va reparler une fois encore de ces deux beaux produits, la Saint-Jacques d'une part et puis d'autre part le bœuf Hereford. Sur la Saint-Jacques irlandaise, on est sur un produit assez similaire au produit français. C'est un produit qui est exporté dans des proportions assez importantes en France, qui devrait, on suppose cette année, être d'excellente qualité parce qu'on était sur une année chaude. Et en général, les années chaudes sont plutôt favorables aux mers plus nordiques que les côtes françaises. Donc on s'attend à une bonne récolte de Saint-Jacques bien charnue cette année sur l'Irlande. Concernant le bœuf Hereford, on est sur l'autre race britannique, tout le monde connaît le Angus, moins de gens connaissent le Hereford, donc en termes de gabarit, on est un petit peu plus gros que le Angus, mais il n'y a pas une énorme différence. En termes de mode d'élevage, on est très similaire, c'est des animaux qui se plaisent très très bien sur les prairies, qui se plaisent très très bien en plein air. Dans le climat irlandais. Et dans le climat irlandais, ils sont arrivés en Irlande de tête, c'est au XVIIIe siècle que les premiers Hereford sont arrivés en Irlande. Et voilà, on est sur une race qui a capacité à s'engraisser, à produire un excellent persillage à base de pâturage uniquement, et donc un résultat en bouche irréprochable. Comment comptez-vous développer la connaissance du bœuf Hereford en France et à Lyon ou en Rhône-Alpes en particulier? Parce que c'est vrai qu'il est moins connu que l'Angus, voire le Wagyu. Effectivement, on s'appuie avant tout sur un réseau de chefs. Donc on a notamment notre Chef's Irish Beef Club, qui est le club des ambassadeurs du bœuf irlandais en France et dans d'autres pays à travers le monde. On s'appuie donc sur un réseau spécialiste, puisque ça reste pour l'instant une viande spécialiste assez confidentielle. Et on espère qu'à travers des prescripteurs comme cela, on pourra avoir un développement progressif du Hereford dans toute la population. On le trouve facilement sur Lyon, par exemple? Sur Lyon, il est facilement disponible pour les professionnels, que ce soit notamment chez Métro ou via la Maison Bello, et certainement d'autres personnes, je n'ai pas prétention de connaître tout le monde. Après, pour les particuliers, il faut vous rapprocher de votre boucher, ou on a des promos de temps en temps dans certains supermarchés comme Carrefour. Rapprochez-vous de votre boucher ou suivez les actualités. Le mot de la fin, Lyon, fin, s'écrit FIM. Hein. Vous auriez envie de demander quoi, Germain, à ce moment précis, après un bon repas, certes, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme mets irlandais? Là, à l'instant, je prendrais bien un petit whisky Waterford pour m'ouvrir les chakras et réfléchir. Ça fait réfléchir, le whisky irlandais? Oui, ça ouvre la réflexion. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme mets irlandais? J'aimerais bien sur une journée comme ça, après une longue journée comme ça, un petit Irish chowder. Donc c'est une soupe de poisson avec des pommes de terre, et très simple, hein, très simple, un poisson avec une purée de pommes de terre très liquide et des légumes divers, donc un peu ce qu'on a sous la main, du chou, des carottes, etc. Irish chowder, c'est excellent après une longue journée. Merci, bel appétit et vive l'Irlande. Merci.